Nakasungala ya no de waste time una. Me a won fire bazooka una. Mr. Money no de waste time. Mr. Money want to eat your man. Say baby don't find no de too shy unaka. Show why me. Mr. Money no de waste time. Mr. Money want to eat your man. You can put a hundred grand on it. Hello people, une éternité après, aujourd'hui c'est samedi. J'accompagne ma soeur, fait son inscription et après on va faire du thrifting. Parce que je sais pas si je vous l'ai dit, mais je relance encore mon commerce au fait de thrift, de vintage, voilà. Et donc je relance SOB, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une page que j'ai sur Instagram. Slay on a budget, donc SOB. Et si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller checker. Je vends des habits vintage là-bas. Et franchement, vous pouvez se les en restant dans le budget. Donc, restez avec moi et on va partager cette journée ensemble, n'est-ce pas? In case you wanna know ce que j'ai porté, j'ai mis un pantalon balache tout simple là et un t-shirt blanc. Il est repassé, hein? Je sais pas pourquoi de loin ça fait ça, mais il est repassé. Il n'est pas aussi froissé que ça. Avec un petit sac là, voilà. Avec des sandales que je vais mettre en bas. Donc, de quoi transitionner de l'école au marché. So, guys, let's go. Bon, les amis, je vlog. Hello. Wawa, lijarna abidom di kosolal. Wawa, lijarna luyadom di kosolal. Liyaw, bala liyaw, la ilaha illallah. Bon, salut à tous, bienvenue sur cette chaîne YouTube. Moi c'est Maya Omo et vous savez, c'est comme toujours pour moi un plaisir de vous avoir ici. Je sais que j'ai commencé le vlog là sans ma salutation habituelle, voilà. Et j'ai voulu me rattraper aujourd'hui. Donc aujourd'hui c'est samedi, bienvenue dans mon week-end encore. Je partage mon week-end avec vous comme d'hab, comme vous pouvez le voir. J'ai mes nattes en bas là et c'est pas très très mignon à voir. Du coup j'ai juste essayé de fermer un peu. Le chapeau appartient à ma soeur, by the way, c'est pas à moi, je sais pas où elle a eu. Alors les amis, je me suis réveillée avec une super grosse faim. Il faut dire que hier, je suis sortie avec des amis. Attendez, je m'assois, voilà. Je suis sortie avec des amis, prendre un verre et tout, et j'ai pas mangé. Je suis rentrée à la maison, j'avais super faim, environ de 1h du matin. Je cherchais où aller manger. Hier, je vous disais, je suis partie au Novotel avec des amis. Il y avait un petit concert là-bas de Aubrey. Attendez, je vais écrire son nom en bas, comme ça je vais pas vous mentir sur le nom de quelqu'un, j'ai pas envie d'écorcher son nom. Et on arrive en retard, voilà, comme d'hab. Mais on c'était un bon moment, j'étais avec des amis et tout ça. Et j'avais super honte de vlogger et tout, parce qu'il y avait de nouvelles personnes que je connaissais pas et tout. Franchement les amis, vous me voyez comme ça, mais dans la vie réelle, quand je connais pas les gens, j'ai honte au fait, c'est ça. En fait c'est très difficile de savoir que j'ai honte parce que je suis de nature un peu out there, bubbly person et tout ça. Mais franchement, j'ai très très honte. I'm a shy person. Même si I don't come across as one, je suis très 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 shy. So, j'ai pas pu vous montrer comment le concert était ou comment le setup était. Mais c'était vraiment un bon moment avec les amis. J'ai rencontré de nouvelles personnes et tout ça. Et ce matin, j'ai fait... Ah non, je ne vais pas vous dire le nom, vous devez deviner ce que c'est. Les non-ivoiriens essayent de deviner ce que c'est. Et j'ai fait accompagner d'une petite soupe là que je vais manger tout à l'heure. Pourquoi tu vas rentrer dans mon vlog? Vous pouvez m'aider à avoir l'argent. Vous savez que si vous rentrez dans le vlog, là, ce sera plus intéressant. Les gens vont vous voir. Hein? Mais pas où il est attaché, Pagne. Pas où tu es attaché, Pagne. Tu as apporté quoi pour faire le vlog là? Les vrais blancs. J'ai dit, tu vas porter quoi? Bon, pas panne. Mais ce que tu as porté là, c'est joli. Oui, non, en vrai, ce que tu as porté le panne là, à cause de la couleur jaune et ton habit là, ça fait que tu es mignonne de matin là. Je suis mignonne. Bon, viens, ya, viens te voir. Si ça te plaît pas, il y a te couper. Oh. Viens. Tout. Hein, ça me met dedans, va. Fais coucou. Je
mon gobelet jaune, mon habit jaune, mon pain jaune. C'est pas tout, ça t'est passé. Jonas. Donc les amis, je me suis servi là, comme vous pouvez le voir, je vais manger. Let's address the big elephant in the room. Comme vous pouvez voir, j'ai une certaine stabilité là pendant que je suis en train de filmer et tout ça. C'est parce que je viens d'acheter un nouveau vlogging. Comment je vais appeler ça? Un nouveau trépied là, voilà, je vais vous montrer. Je l'ai acheté sur Agence Bon Plan où j'ai acheté ce micro là. Je l'ai acheté là-bas. Ils doivent me sponsoriser, ces gars-là. On doit rentrer dans un partenariat. Parce que je ne fais que leur donner mon jet. Alors, les amis, il s'agit de ce trépied-là, comme vous pouvez le voir. Je l'ai acheté sur Agence Bon Plan, comme je vous ai dit. Là, on peut augmenter la taille du trépied. Ici, c'est un bouton Bluetooth qu'on peut séparer au fait du trépied. Et il vient avec un petit projecteur, là, voilà. Pour augmenter votre luminosité quand vous êtes en train de filmer. Et c'est ici que vous pouvez placer le téléphone. Vous pouvez vous faire tourner, attendez. Vu que j'utilise l'autre main pour attraper la caméra, c'est un peu compliqué. Vous pouvez, voilà. Et comme vous pouvez le voir, franchement, je le trouve super mignon, super advanced. C'est ici que vous mettez le téléphone. Vous pouvez serrer, au fait, la position de votre caméra. J'espère que celui-là, il va vraiment marcher, franchement. Et voilà, vous le fermez comme ça. Ouais. C'est vraiment handy. Hein. Je l'ai acheté à 10 900 sur la page de Agence Bon Plan. Alors les amis, je passe mon temps à vous parler que ma nourriture va refroidir. Ma petite soeur est venue me voler un peu de mon jus là. En même temps, celle que j'ai envoyée pour l'acheter, donc c'est normal. Et il faut que j'attaque mon repas. Je vous aime très bien, je vous aime fort, mais j'aime encore plus la nourriture. So, see ya guys. Cause I walk around with the bank on him. Show them Gangnam Style, put the gang on him. Twist my fingers up on a bang on him. Lele ho, lele ho, yeah. Et les amis, là, je pars rencontrer ma copine. Je suis super en retard. Dites-moi pourquoi la meuf m'a donné le rendez-vous à 17h et à 16h30, je me suis endormie. Je sais pas pourquoi je me suis endormie, mais je suis super en retard. Donc, je vais courir là, aller la retrouver. J'ai mis ce top là de Shein plus un jean thrifté, comme d'habitude. Et ces petites boucles là, voilà, je suis super pressée. Donc, guys, let's go. Nobody know tomorrow, choro ka choro. And if a boy feel macho, make him look red like a tomato. If him not dead, then he call matos, no ko fambo. As that day. Et donc nous allons prendre un petit truc, rigoler, causer, papoter, passer un peu de temps ensemble avant que Aja nous rentre. Because she has to go. Je sais pas pourquoi, mais she has to go. Anyway, so see ya guys. Okay. Comme ça, si je le mets comme ça, en fait, tu peux marcher, tu marches, non? Oui, mais j'étais très heureuse. Au départ, très heureuse. Je me sentais très bénie. C'est après. Pourquoi on a dit que tu partais pas à la ville? Ah, je te dis. Mais là, même, tu me disais, tu veux, je cours. Ça fait rien, je vais me réveiller. Hey, bon, salut à tous, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, c'est dimanche et j'ai raté l'église, malheureusement. Je me suis endormie, mais franchement, ça a été un bon moment de repos. J'ai pas vu dormir aussi, il faut le dire. Donc, je compte me rattraper le soir. Je vais écouter un sermon du pasteur, du grand pasteur. Je sais pas si vous connaissez le pasteur Oxo Park, mais il a des sermons, franchement. Et si vous voulez, je vais vous laisser un sermon dans la barre de description. Vous allez pouvoir cliquer sur le lien et aller écouter. Franchement,
c'est salvateur. Et donc, les amis, aujourd'hui, dimanche, qu'est-ce que j'ai prévu? J'ai prévu là aller faire un brunch avec un ami. Et juste après, j'ai une interview très pertinente pour moi parce que c'est une interview que je compte classer dans la série de comment être une femme de valeur dans la vingtaine, voilà. Et je compte, au fait, étendre ça avec d'autres personnes. C'est vraiment, au fait, recueillir, on va dire, l'expérience, voilà, de jeunes femmes très dynamiques, de jeunes femmes de valeur dans la société. Et pour qu'on puisse, au fait, se servir de leur expérience pour pouvoir guider nos pas, pour pouvoir aussi, nous aussi, devenir des femmes de valeur et surtout dans la vingtaine. Donc, les amis, là, je vais me mettre en route, voilà. J'ai porté un t-shirt blanc, un jean bleu avec une chemise thriftée vintage que j'adore. Franchement, c'est trop, trop magnifique. If I can say so myself. Les amis, chopez Friperi. N'hésitez pas à aller regarder ma page Instagram Slay on a Budget, SOB. Voilà, je vends des habits, comment dire ça, vintage là-bas, voilà, que je recycle. La majorité d'entre eux sont des habits, au fait, qui sont lavés et repassés. Donc, franchement, vous n'avez rien à craindre. Il y en a des habits, au fait, qui ont encore l'étiquette dessus, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais été portés. Donc, franchement, n'hésitez pas à aller regarder. Quand vous chopez vintage, vous sauvez l'environnement et vous sauvez votre poche aussi en même temps. Donc, c'est très, très important. N'hésitez pas à aller checker SOB, ok? Les amis, j'ai parlé trop ce matin. Let's go! Allons-y manger et voilà, continuons notre journée. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Hey people, on vient de finir de manger comme ça et je suis trop pleine. J'ai du mal à respirer. J'ai mon petit foupa là. J'ai moi, my baby lunch. Ici, je suis super, super pleine. Franchement, nous sommes au Dionovar sur la pointe des Almadies, c'est ça. Voilà. Et franchement, on a super bien mangé. Il y avait du tout, hein. Il y avait des fruits. Il y avait du chocolat, un dessert que j'ai pas pris. Donc les amis, on a fini de manger et là nous allons commander un Yango et partir au Layou Café. Le Layou Café qui est un concept store, un café qui est situé au niveau du point E. Donc sans plus tarder, les gars, let's go. Maggie, ouais. J'ai adoré mon entretien avec elle. Elle est super. Elle est magnifique physiquement, intellectuellement, franchement, psychologiquement. J'ai vraiment adoré la rencontrer aujourd'hui, les amis. Et là, je pars faire des courses avant de rentrer à la maison. Demain, c'est lundi. On va recommencer la vie boring. So guys, let's go to Auchan. Faire quelques petites courses là avant de rentrer à la maison. Hello peeps, I'm with my baby. Venez regarder Wakanda Forever. On va faire une petite interview avec la personne qui est la plus intéressée à regarder Wakanda tout. Ah ouais, pourquoi je suis la plus intéressée? Parce que tu as regardé, hier, Wakanda 1, pour te préparer à Wakanda 2. Émotionnellement, voilà. J'attends du nouveau, j'attends de plus d'émotion. Parce qu'en anglais, on sait tous, l'éléphant, le BLFM de la room, on sait tous qu'il y aura des scènes émotionnelles. Okay. Vu que le dernier Black Panther n'est plus de ce monde. Effectivement. Donc, je suis très curieux de savoir qu'est-ce qui va se passer, comment ils vont réussir, lui rendre hommage à travers ça. Merci beaucoup, monsieur. Wakanda Forever. Bonjour, comment tu vas?
ça va? Salut, ça va? Let's go! Et ça, et ça? Un peu. Let's go watch Wakanda Forever! Vos retours sur le film. Just one thing. C'était nul. C'était nul. Un spoil. Woman King. Un spoil. Woman King, bien sûr. Toujours. Bon, on sait que vous préférez Woman King. Bon, vous deux, vous préférez Woman King à Black Panther. Ils sont pas spoilés. Ils sauront. Ok. Un spoiler aussi. Vous deux, vous préférez Woman King à Black Panther, mais qu'est-ce que vous avez pensé du film? Genre en détail, on sait que vous préférez, ils mais... Ils auraient pu synthétiser le gars en 3D, le fait pas là, t'as fait pour la carte. Oui, moi aussi, c'est ça qui est malade en fait. C'est ça. Tac, non, avec le... je veux dire, oui, pour honorer sa mémoire. Je me dis que peut-être la famille. Voilà, c'est ce que je voulais dire, avec l'accord de la famille. Je pense que ça allait être trop truc en fait. Paul Walker, man. Comme à la fin de Fast and Furious. Ça allait trop bien, franchement. Ouais, moi je pense que... Non, non, pas le vrai. On ne cite pas vraiment. Voilà. Mais c'est pas... Ils n'étaient pas obligés. Moi je pense que si je faisais ça, ça allait donner une touche d'émotion. Moi j'ai eu une émotion. Bon, je sais pas. Je suis resté un petit peu sur ma fin. C'était une scène avec Chabri. Ils avaient commencé, moi je crois. Ils avaient tenté seulement de le mettre sur la plage. Je me serais levé, quoi, pour dire. C'est ça, au fait, tu vois. C'est ce qui allait rendre le truc un peu ouf. Ouais, c'était pas. C'est difficile. C'était pas mauvais. C'était difficile. C'était difficile de le faire, ça. Oui. Je me dis peut-être que. Ouais, non. C'est sûr. Elle ne devait pas être là. Plus de travail pour le réalisateur ou l'écrivain, je sais pas comment on les appelle. Les tenues, ouais, les tenues c'était magnifique. Costume, il n'y a rien à dire. Franchement, j'ai trop aimé. So, guys, ok. Certains ont adoré, certains n'ont pas trop adoré. So, yeah. Allez-y, regardez en tout cas.